que j'ai dit « et la réalisatrice », c'est comme dans la Franco-Fête. Oui. Je n'étais pas né. Non. La Franco-Fête avec Charlebois, Robert Charlebois, qui est ici à Cannes d'ailleurs, Félix Leclerc et Gilles Vigneault, qui est dans le film. Voilà, il y avait une manière de dire... J'ai un petit mot. Je fais ce que tu veux. Merci de venir si tôt, parce qu'à Cannes, 11h, c'est très tôt. C'est l'aube. I'm going to try to do both languages, so sorry for my accent. Je suis honorée de revenir au festival pour présenter le film, ce film que nous avons fait ensemble, Dans la joie. Je remercie Thierry Frémaux, Christian Jeune et toute votre équipe du festival de m'avoir invité et de croire en mon cinéma. I'm honored to return to the festival to present this film, and we made this film together with joy. And thank Thierry Frémaux, Christian Jeune and the entire festival team to inviting me and believing in my work. Je suis aussi heureuse d'être ici pour avoir le privilège de porter une parole, parce que oui, c'est un privilège et une responsabilité. I'm also happy to be here to have the privilege to having a voice, because yes, it's a privilege and it's a responsibility. Je réfléchissais à la notion de génie, pas mon génie, mais... And I have been reflecting on the notion of genius. C'est un concept très répandu dans notre milieu. It's a widely spread concept in our industry. Dans la mythologie du fameux génie, il y a cette notion de distinction entre l'œuvre et l'individu. In the mythology of the famous genius, there is a notion of distinction between the work and the individual. On excuse à celui qui crée cette propension à l'abus sur les autres, parce qu'on ne doit pas déranger le maître. Leur parole sociale, leur contribution au monde est tellement plus importante que les dommages collatéraux, que les incidents. We excuse those who create for their propensity to abuse others. The master should not be disturbed. Their social voice, their contribution to the world is so much more important than the collateral damage than the incident. J'entends par là les humiliations, les dénigrements, les colères qu'une personne ordinaire ne peut se permettre. C'est presque comme si nous avons internalisé l'idée que s'il n'y a pas de débordement, peut-être que l'œuvre n'est pas digne de mention. C'est presque louche. By that, I mean the humiliation, the denigration, the angers that an ordinary person cannot afford. It's almost as we have internalized the idea that if there are no excesses, perhaps the work is not worthy or mentioned. It's almost suspicious. Parce que le génie, lui, est touché par la grâce, en connexion avec l'au-delà. Il ne faut surtout pas interférer avec ce canal sous aucun prétexte. Because the genius is touched by grace in direct connection with the beyond. This channel should never be disturbed under any circumstances. Pourtant, dans les débordements, moi, j'ai l'impression d'y voir un manque de préparation. Dans la colère, un manque d'assurance. Et dans l'humiliation, un manque d'empathie. Yet in these excesses, I feel like I see a lack of preparation. In anger, a lack of confidence. And in humiliation, a lack of empathy. Et je me suis dit, pourquoi on ne redéfinirait pas notre idée de ce que l'on considère génial? And I thought, why we don't redefine our idea of what we consider genius? Je pense que le génie, c'est de faire un chef-d'œuvre, mais tout en étant quelqu'un de bon, de bienveillant, à l'écoute. Et ces qualités n'empêchent en rien de créer du sublime. Au contraire, je crois que c'est même bénéfique. I think genius is creating masterpieces while being a good person, kind and attentive. And these qualities do not hinder the creation of the sublime. On the contrary, I believe they are even beneficial. Ceux qui ont un certain pouvoir ont la responsabilité de faire en sorte que les gens autour se sentent bien. Those who have a certain power have the responsibility to make sure the people around them feel good. C'est ça le vrai pouvoir, parce qu'aucune œuvre ne justifie qu'on brise des gens. That's the true power, because no work justifies big breaking people. En attendant un jour moi-même d'espérer le chef-d'œuvre avec mon travail, je suis heureuse de ce film parce que je, et surtout nous, l'avons fait dans la bienveillance, dans l'amour et le respect, entouré des amis précieux que j'admire, qui font de moi une meilleure personne. While waiting for the day when I myself can hope for a masterpiece with my work, I am happy with this film because I, and especially we, made it with kindness, love and respect
surrounded by precious friends whom I admire, who make me a better person. Et qu'est-ce qu'on se sent bien le soir en se couchant quand on se dit qu'on a été en mesure d'aimer et d'être doux avec les autres. And how good it feels in the evening when we go to bed knowing that we were able to love and be gentle with others. Je vous invite à l'essayer. C'est la plus précieuse des récompenses. I invite you to try it. It's the most precious reward. Thank you so much. Ça, c'est un message. À 11h du matin. Merci, Emmanuel. Merci à tous.